On est présentement au Domaine Poisson avec Natacha et avec Daniel, mais aussi avec un peu Nubé que j'ai la chance de promener, et puis Félix et Patriote, exactement. Ça va bien? Oh, oui, oui. Merci, toi aussi. Oui, oui, ça va bien. Je suis vraiment... C'est des beaux animaux, hein? C'est quoi qui vous a amené à partir tout ça? C'est un gros projet, puis on va y venir tout à l'heure, mais c'est quoi l'impulsion? Bien, nous, on n'a jamais rêvé d'avoir une fermette au grand jamais. Mais voilà 10 ans, on est allé à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe, et il y avait 3 alpagas dans un petit enclos, puis là, ils me regardaient avec leurs grands yeux, fait que je tombe en amour. J'ai dit à mon mari, à Daniel, j'ai dit, c'est ça que je veux dans le cours. Fait que là, il a jasé avec la dame, j'écoutais ce qu'elle disait, mais moi, je ne pouvais pas détacher mon regard des alpagas. Puis en soirée, mes enfants ont fait des manèges. Moi, j'en fais pas, j'ai mal au cœur. Mais c'était la plus belle soirée de ma vie. J'ai pu passer la soirée à lire sur l'alpaga, à découvrir là, plein de choses sur ces animaux-là. Lire sur l'alpaga, je sais pas. Avec les téléphones cellulaires, facile. Puis par la suite, ça nous a pris un mois pour faire les démarches avec la ville, ma PAC agronome. Puis au bout de ce mois-là, là, on se retrouve à la fin de semaine de la fête du travail. Fait qu'on est monté en Ontario avec les enfants, puis on est allé visiter 2 éleveurs d'alpagas. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est toujours un minimum de 3 alpagas. C'est des animaux de troupeau. Seuls, ils vont s'ennuyer. Mais là, visiter 2 éleveurs, puis réserver que 3 alpagas, c'est pratiquement mission impossible. pour un passionné compulsif, hein, comme Daniel. C'est ça, ouais. Finalement, ben, on en a réservé 16. Wow. Puis le budget ne permettait pas plus, parce que je pense que j'en aurais pris plus que ça. Fait que nos premiers alpagas sont arrivés en octobre. Puis les autres, on est retourné en Ontario les chercher début novembre. Mais là, on n'a aucune infrastructure, on n'a rien. Et cette année-là, il a neigé de bonheur, il y avait de la slush, il faisait froid. Fait que pour construire le... Parce qu'on n'a pas commencé avec un dôme, on a commencé avec une plateforme. Okay. On avait mis des abris tempo dessus. On ne l'a pas eu facile, vraiment. Là. C'est un départ qui était assez qui était assez intense, mais tellement... Tu sais, quand les premiers sont arrivés, là... Oh mon Dieu, c'est comme la magie, là, c'est vraiment, là. Puis c'est ça, fait que finalement, ben 10 ans plus tard, on a dépassé le 200 alpagas. C'est fou. On les adore. Il n'y a pas vraiment d'autres termes, on les adore. Fait qu'on est devenu la plus grande ferme d'alpagas au Québec. On a perdu le contrôle des émotions un peu en chemin, là. Quelque peu. C'est ce qui s'est passé. Puis là, vite, vite, parce que le temps file à vitesse grand V, on est dans un... C'est super beau, là, on est... À flanc de montagne, à Mont-Saint-Hilaire. Exact. On peut venir se promener avec les enfants, avec les alpagas, dans des beaux sentiers. On est dans un sentier présentement. Je pense qu'on va pouvoir aller peut-être à l'intérieur de la boutique parce que vous avez aussi développé tout plein de produits à partir de cette laine-là. Oui, on dit de la fibre. L'alpaga, dans le fond, c'est une fibre. La laine, normalement, c'est un terme qui est réservé aux moutons parce que le mouton, il produit une huile, la lanoline. L'alpaga en produit pas. Fait que c'est une fibre sèche. C'est 5 à 7 fois plus chaud que le mérino, que le mouton. Wow. C'est doux, ça pique pas, c'est hypoallergène. Puis c'est des animaux qui ne se lèchent pas en plus. Fait qu'on dit que c'est vraiment hypoallergène. Ça, c'est bien de le mentionner. Parce que ma famille, on a beaucoup, beaucoup de problèmes justement avec les chevaux et tout ça. Donc, on pourrait venir ici les flatter, puis on n'aurait pas d'enjeu à ce niveau-là. Non. Formidable. On va aller à l'intérieur de la boutique, puis on va pouvoir continuer là-dessus. Fait qu'on s'en va à l'intérieur de la boutique, puis on Parfait. Continue. Donc, on est dans votre boutique où on peut se procurer tout plein de vêtements qui sont, qui sont pas issus, là, mais je veux dire, c'est du poil d'alpaga qui est servi à faire ça. Oui, c'est tout fait à partir, c'est ça, de la fibre d'alpaga. Oui. On a des produits qu'on a fait nous-mêmes, puis on a des produits qui proviennent du Pérou, mais c'est tout issu du commerce équitable. Mmh. Ça, c'était le côté important, fait que ça nous aide, nous. Mais on aide les communautés là-bas. C'est une belle grande chaîne là, d'amour à ce niveau-là. Oui. Magnifique. Puis, puis vraiment, venez, là, c'est tellement doux. Là. Venez, il faut prendre rendez-vous pour venir ici ou est-ce que... Pas pour la boutique. Pas pour la boutique, OK. Sur, ouais, sur les heures d'ouverture, il n'y a aucun problème. Vous pouvez passer quand vous voulez pour la boutique. Excellent. Bon, là, on voulait parler parce que je ne veux pas l'oublier. Puis c'est tellement facile. Vous avez tellement de choses à dire. Puis vous êtes... Il aurait fallu faire une émission complète, je pense, sur vous autres. Qu'est-ce que c'est principalement les alpagas du domaine poisson?
C'est des balades, c'est des activités, c'est quoi exactement? Bien, comme on est tombé en amour avec le contact avec l'alpaga, ce qu'on voulait donner aux gens, c'était la possibilité d'être eux aussi en contact avec eux, avec les alpagas. Fait qu'on a les visites guidées de la ferme qui se font avec un guide. Donc, c'est le moment où vous allez apprendre plein de choses sur les alpagas. Vous allez pouvoir les nourrir. On vous fait même entrer dans l'enclos. Fait que vous êtes vraiment en contact avec eux. Mais on a aussi les balades. Mmh. Donc, ça, c'est la possibilité de faire une marche avec un alpaga que vous tenez en laisse dans un autre sentier près d'un kilomètre. Ça se fait en 15-20 minutes, mais les gens ont 45 minutes pour le faire. On veut que les gens prennent leur temps. On veut que les gens puissent décrocher de leur quotidien. Et en plus, on a des thématiques aussi. Comme à l'Halloween, on va avoir plein de décorations dans le sentier parce qu'on a aussi les balades de soir. Oh, oui. Fait que le sentier est illuminé. Plus toutes les décorations, ça va être magique. Noël, la même chose, on a plein de décorations. Puis à certaines dates, le Père Noël, il vient dans le sentier. Fait que ça, on est vraiment gâtés. Ça fait plusieurs années, là, ils trouvent ça trop le fun, les alpagas. Là, ça, il fait penser à ses reines. Ah, ben oui. Mais c'est encore plus le fun, les alpagas, que les reines, c'est plus doux. Oui, fait que, ils aiment ça venir ici. Puis après ça, il y a toujours Saint-Valentin, Pâques. Fait que tout au long de l'année, on a vraiment là, des thématiques. À tout. Puis ça, là, il faut réserver d'avance, hein, c'est ça? C'est ça. On demande aux gens de réserver sur le site web. OK. Puis comme ça, bien, quand les gens réservent, on leur demande aussi même les groupes d'âge des enfants parce que nous, ça nous permet de choisir les alpagas en fonction des groupes d'âge pour que le jumelage qui se fait soit parfait. On veut que nos alpagas aient du plaisir, parce qu'on les aime beaucoup, mais on veut que les clients aient du plaisir aussi. Fait qu'en ayant, comme tous les groupes d'anges, bien, on choisit, puis ça fait des beaux matchs. Les gens leur partent vraiment avec un beau sourire. Mmh. Puis avec ça, bien, on a de la moulée qui est spécialement faite, là, justement. C'est quoi? La moulée de plaisance. La moulée de plaisance, c'est ça. C'est trop cute comme terme. Donc, c'est ça, c'est une moulée qui est vraiment, qu'ils apprécient, mais qui leur fait pas prendre de poids, c'est vraiment... Non, aucun problème à ce niveau-là. C'est, dans le fond, c'est comme du foin compressé avec un peu d'essence de pomme, parce qu'ils aiment quand même bien les pommes. Fait que comme ça, on défait pas leur diète alimentaire, il n'y a aucun danger. Ah, c'est formidable. Puis j'ai vu, il y avait des canards, puis en tout cas, il y a de quoi vraiment pour toute la famille, mais il y a de quoi pour les amoureux, j'ai envie de dire. Même que le soir, balades romantiques, des balades romantiques et tout ça. C'est très, très beau pour ça. Ben, en terminant, j'aimerais savoir, j'imagine que vous en avez plein de fierté par rapport à ce beau projet-là, mais c'est quoi votre fierté principale? Bien, je pense qu'on ne s'est jamais vu comme des fermiers, puis je ne pense pas qu'on l'est non plus. On n'a pas la génétique de fermier. On est en amour avec les alpagas, mais je pense que la plus grande fierté qu'on a, c'est qu'on est des créateurs de bonheur. Ah, on crée du bonheur. Les gens viennent, on crée du bonheur. C'est vraiment ça. L'expérience, c'est de créer du bonheur. Et je pense que c'est ce que les gens nous rapportent le plus. Je pense que c'est vraiment ce qu'on est. C'est un rendez-vous. Venez, profitez-en. C'est un joyau. C'est ça que j'ai dit quand je suis arrivée. J'ai dit, vous êtes un joyau. Là. On bombe le torse. Là. Il y a de quoi être fier en tant qu'habitant de la Montérégie de savoir que vous êtes ici. Ouais, parce que les gens viennent de loin. Hein. On a gens de Québec, on a des gens de Trois-Rivières. Ça traverse la Rive-Nord avec le tunnel, on le sait, parce qu'ils nous disent, on a eu peur d'arriver en retard. Puis là, on dit, vous êtes de où? Puis là, ça vient de loin. Hein. Les gens, c'est une destination. C'est plus que la Montérégie. Le reach va de Québec à beaucoup, beaucoup plus loin. Puis on a des Européens qui viennent, qui en entendent parler, puis quand ils viennent, surtout des Français, ils en entendent parler, puis quand ils viennent, ils disent, il faut qu'on aille là. Il faut qu'on aille aux Alpes. On a régulièrement des gens de France qui viennent faire un tour comme ça. Des Américains. On a une belle Saphir qui est aussi le comité d'accueil pour les étudiants. Oui, Saphir. Saphir, c'est notre comité d'accueil. Allez, merci beaucoup. Merci infiniment. Fait que j'espère qu'on vous a donné le goût de venir à votre rencontre. Merci. Merci. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Merci.